Salut tout le monde, c'est Monsieur Assassin 11 pour vous présenter un tuto aujourd'hui sur Photoshop pour comment créer une image avec des objets. Moi j'ai choisi des snipers. Donc sans plus attendre, on va commencer. Déjà j'espère qu'en fait parce que j'enregistre avec Camtasia et souvent j'ai des bugs de curseur, c'est à dire que mon truc, je sais pas si vous le voyez, mais il bouge pas, des fois il bouge pas et c'est un peu relou. Gage, c'est un peu relou. Alors on va commencer sur Photoshop. Alors déjà je viens de le démarrer, hein, donc voilà, je suis à ça. Alors on va prendre une image, on va commencer avec le MSR, on va le glisser. On va le mettre sur Photoshop. J'essaye de faire rapide parce que sinon en fait c'est pas ça qu'il fallait faire, c'est nouveau. Attendez, hein. Nouveau, alors tout ça, ouais, c'est bon. Alors, allez, toi tu dégages. Voilà, on va faire. On va glisser notre image dans Photoshop. Glisser sur l'arrière-plan. Tout d'abord, je vais mettre un dégradé. Ah zut. Là, je me suis loupé. Bref, on va mettre un dégradé en noir et jaune. On va le commencer de là, on va le finir de là. Voilà, ça fait assez sympa. Alors maintenant, on va glisser l'image. On la prend, on la met sur Photoshop, on la prend, on la glisse. On va faire une rotation 90 degrés horaire. On va le prendre, on va le mettre, on va mettre densité couleur plus. Et on va le mettre vers là. Voilà, ici ça sera pas mal. Oh zut, j'ai déplacé ce point là. Je sais même pas à quoi ça sert ce truc. Alors voilà, on va cliquer là-dessus. On va en mettre un autre, le L118A. Alors, on va le mettre là. On va faire une rotation 90 degrés horaire. On va faire la densité couleur plus. On va le mettre là. Attendez, je le mets bien. Non, je vais pas trop les serrer parce que... Oh purée. Je vais pas trop les serrer parce que après, j'aurais l'intention de faire un truc, enfin vous verrez ça après. On va prendre R16, je crois. Le R16, ouais. Je crois que c'est ça. Enfin bref, rotation 90 degrés horaire. Je fais toujours 90 degrés horaire. Comme ça, ça fait assez bien. Densité couleur plus. On fait ça, on met là, pas trop serré. Allez. Voilà, comme ça c'est pas mal. Alors, on va prendre, ah non, on va cliquer sur le petit truc là. Ensuite on va prendre le, je crois que c'est le AS50. Voilà, on le prend, rotation 90 degrés horaire, densité couleur plus. On le prend, on le déplace ici, pas trop serré. Impeccable. Oh, par contre là il est un peu clair. Bon après ça je peux rien y faire. Enfin si, je pourrais faire quelque chose mais ça mettrait plus longtemps et ce serait un peu plus compliqué. Bref, là je prends le barrette qu'on va mettre vers là, ouais. Bon, de toute façon il se met toujours au milieu quand on met 90 degrés horaire. On le prend, on le met là, densité couleur plus. Voilà, impeccable. Oh là, il est un peu dans l'ombre. Après, le barrette, c'est pas très important. Je vais pas dire qu'il est nul, mais bon, il est un peu abusé. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre l'outil texte. On va prendre tout simplement, on va faire un texte là, ici. Je crois que c'est l'AS50. Ça doit être l'AS50. On va rapetisser, on va mettre 48.
qu'est-ce que ça donne? Non. 48, c'est un peu trop gros. 30. On va mettre. R-SAS. Je dis R-SAS ou S50? Non, c'est la S50. AS50. Bon, je sais pas si vous voyez, mais mon S de la S50, il ressemble à... Enfin, mon 5 de la S50, il ressemble beaucoup à le OS. Mais bon. Voilà, ça, comme ça, c'est bien. Et puis, il est passé où, lui? Il est passé où? Il est où? Il s'est mis où? Oh purée. Bref, on va être importé. Je vais où là? Je sais pas trop. Outil texte. C'est ça? On va dire que c'est ça. Bah, tu crois que je l'ai mis en super grand? Parce que là, il y a marqué 658. Je vous avais dit 36. Je vais dégager. Bref, on va recommencer. Pas grave. Oh là, là il est un peu petit là. Bref, il dit 36. C'est compliqué quoi. AS. Non, il va pas faire 50. Contrôle. Reste appuyé sur contrôle. Hein. Enfin, je pense que ça, tout le monde sait le faire. Ouais, moi j'ai galéré un peu. Au début, ouais, j'avais pas trouvé. Galérer. Voilà, on va le déplacer un peu. On va le mettre là. Là. AS50. Ensuite, le prochain, c'est le MSR. MSR qui est un très bon snipe, je le rappelle, hein, qui est très bon. Attendez, je me pose. Alors, désolé, hein, on reprend. Donc, j'avais dit, on fait un nouveau texte. Qu'on met aussi en 36, on marque MSR, on fait contrôle. On a à peu près... Oh là, j'aime pas les bugs. Oh non, sérieux, ça me saoule. Je sais même pas comment il est là. MSR, ouais, c'est bien. Mais... voilà, comme ça. Impeccable. Alors, on continue. Alors, le prochain, c'est L118A. Donc, le 8, j'ai déjà essayé, il est un peu chelou. Vous inquiétez pas. L118... Je me suis trompé. L118A. Voilà. Le 8, il est un peu bizarre. Après, c'est vous choisissez la police que vous voulez. Hein. Je vous oblige pas à prendre la police, surtout que je l'ai téléchargé et que vous l'avez pas. Vous l'avez pas. Et zut, je me suis gouré, je l'ai mis à l'envers, c'est super. Oh, Romain. Oh non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait là? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Oh purée, on va faire un retour. Petit texte. Oh là, c'est horrible. Oh là. Ok. Bon bah, écoutez, on va attendre. Je suis désolé, mais bon, là, il m'a fait un truc chelou. Là, il m'a fait une barre jaune. Bah, ça fait assez stylé. Si je savais comment j'ai fait, bah, je le ferais sur des trucs. Hein. Mais bon, là, je sais pas trop comment j'ai fait. J'ai fait un long truc, là. Une barre assez belle. Mais bon, c'est pas ce qu'on voulait faire à la base. On va retourner un petit texte. Oh zut. Oh zut. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors bref. Go. L118. Ah. Alors on va réessayer. Allez, deuxième essai. Va-t-il y arriver? C'est parti. Oui, il a réussi, mesdames et messieurs. C'est magnifique. Oh là là, j'espère que ça enregistre parce que là c'est splendide. Non, pas ça. Attention.
Oui, mesdames et messieurs, ça enregistre. Je suis content. Alors, bref. Non, j'ai ça en fait parce que souvent je me loupe. C'est souvent. Déjà, je suis content. Les deux autres, je les avais réussi direct. Il y a un peu de travers, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ouais, c'est bon. Non, j'ai l'impression de l'avoir fait en italique. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Alors, on va faire un autre. Parce que vous, vous appliquerez, mais moi, là... Bon, c'est pas ce qui me manque des fonds d'écran, hein, j'en ai plein. Alors, ça, c'est le RSAS. RSAS... Sniper que je n'ai jamais utilisé. Je sais pas pourquoi. On n'allait pas croire que je le déteste. Je sais pas si je me répète, là. Parce qu'en fait, j'avais fait un autre essai avec Cam Studio. Je sais pas si c'est ça. Attends, c'est quoi? Voilà, avec ça, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Cam Studio, je crois que c'est ça. Cam Studio. Et en fait, j'avais tout fait. Ça m'avait pris 20 minutes. Et le son n'a pas été enregistré. Et pourtant, j'avais mis à enregistrer le son. Mais il n'a rien enregistré. Ensuite, le dernier, c'est le barrette. Le barrette. Si tu tombes sur quelqu'un en barrette, dans les... de toute façon, si tu tombes sur un type qui est geek toute sa vie et tout, et que c'est un fou de calof, et bah, t'es mort, parce qu'il va te rentrer un bête de trickshot. Et de toute façon, si tu tombes sur un noob, et bah, il va te mitrailler. Et là, t'es fichu. C'est encore pire que de tomber sur un PGM. Parce que le PGM, il a des principes, tu vois. Enfin, vous voyez, quoi. Il a des principes, il mitraillera pas. Donc le noob, lui, il n'a rien à faire. Mitraillant. Oh purée, ça m'a refait le bug. Oh non. Oh non. Mais non. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Non. 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 Bon, on va faire un deuxième essai, voilà. Ça m'arrive souvent, ça, de toute façon. Et cette fois, je vais me mettre plus haut, comme ça, j'aurai plus d'espace. Pour me rendre compte de ma bêtise. Voilà, maintenant, on va faire. Allez, mets-toi bien, là. Mets-toi bien, sinon je te désinstalle. Non! J'y étais. Voilà. Ouh, applaudissez-moi, hein. Et on va faire un dernier texte. Le dernier, oui, c'est déjà fini. Et on va marquer, par exemple, vous marquez ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est pour moi. Oh, voilà! Impeccable! Sauf que lui, on va l'agrandir. Là, c'est un peu petit. Oh là, qu'est-ce qu'il... Mais à quoi ça sert de mettre ça, sérieux? À part sur le, si le type il a des lunettes de malade, il peut pas voir là les gens. Il faut regarder avec une loupe. Attention, c'est parti, on va essayer 150. Ouh, c'est trop gros. Enfin bref. Non, c'est beaucoup trop gros. On va mettre 100. Oh, impeccable! Mais c'est parfait là. Je finis ce tuto en beauté là. Attention. Allez. Allez Romain, ne te loupe pas. Alors on va mettre... Je sais où ça. Alors. Voilà. Et puis moi j'ai un bug. Je peux pas faire enregistrer sous. Donc moi je suis enregistré pour le web. Après vous faites enregistrer sous. Hein. Moi, je suis enregistré pour le web parce que c'est que comme ça que ça marche. Bon, voilà, ça fait ça. Ça fait ça, les gens. Que, ouais, bof. Ça peut être sympa. Sauf celui-là, qu'on dirait... Ouais, non, celui-là, il est moche. C'est pas AS50 qui est moche, hein. C'est juste que je l'ai mis trop à la lumière. Et puis même, les snipes, là... Bof. Enfin bref, j'espère que ce tuto vous aura plu. On va faire le rendu. Ouais, on va dire rendu, parce que j'ai l'habitude de dire ça. Alors, et on va le mettre
Bah, je l'avais déjà fait de toute façon. Ça. Je l'avais déjà fait avec Cam Studio. Et le son qui n'a pas été enregistré. Donc, je le refais. Hein. Et hop là, les gens. Il est là. C'est super. C'est magnifique. C'est splendide. C'est tout moi. Enfin bref. J'espère que ce tuto vous aura plu. Bah, mettez un petit like ou je sais pas, abonnez-vous, mettez un commentaire, dites-moi ce qu'il faut améliorer et puis je l'améliorerai. Enfin, si je peux. Alors, bon, bah, ça fait déjà 15 minutes que j'enregistre. Donc on va arrêter le massacre. Le premier que j'avais fait sur Cam Studio, j'avais fait plus de temps, mais bon, c'est bien comme ça, là, 16 minutes, parce que, sans faire exprès, j'ai fait un copyright, parce que j'ai voulu mettre une musique sur une de mes vidéos, parce que je mets souvent des musiques, c'est mieux, ça, parce que vu que je parle pas, une musique, ça occupe. Donc j'avais mis une musique et j'ai eu un copyright. Et du coup mes vidéos, faut pas qu'elles fassent plus de 20 minutes, sinon ils les veulent pas. Et c'est un peu relou. Et je pense que je vais me refaire une chaîne. Et puis voilà. Il galère. Mon super fond d'écran que j'avais d'ailleurs mis dans un tuto. Hein. Donc, que j'avais fait avec un pack. Qui a été fait grâce à un youtubeur. Bon bah à plus, hein.